Bonjour YouTube, bienvenue à vous, Zelda, TP, suite, épisode, let's play, complet, FR, gameplay, playthrough, voilà, tous ces mots qui font un bon référencement sur YouTube, évidemment, malheureusement ça ne marche pas à l'oral, sinon je serais milliardaire. Ouais, donc on continue, là on était la dernière fois, rappelez-vous. Donc nous avons récupéré l'arc, nous avons, eh bien, parlé au mec là-bas, là, qui nous a dit un truc, je sais plus quoi. Est-ce que le mec des bombes a réparé son truc? On va aller voir ça. Ça c'est une bonne question. Il faut qu'on passe à un truc pour dépenser nos sous, en fait. It's raining taco, salut LKG. Mais Captain, il est ouf, parce qu'il arrive à dire bonjour à LKG avant que LKG mette son message, d'ailleurs. Je me demande si c'est là. Oui, je crois que c'est là. Il faut d'ailleurs, avec LKG, que la semaine prochaine, on se trouve un créneau pour jouer à... Chivalry. Ah, il en a. Mais j'ai pas de sac de bombes, c'est ça? Salut, gamin. J'ai enfin pu réunir le matos et rouvrir mon magasin. Enfin, rouvrir, c'est vite dit. Vu l'état de mes stocks, je n'ai qu'un seul type de bombe en rayon. Bah, je les referai petit à petit. Regarde ce que j'ai. Vendu par l'autre 10 pour un... Ah, y'a pas besoin de... Ah, mais c'est pas de sac de bombes. Allez, je te fais une offre spéciale. Un sac rempli pour 120 rubis. J'achète. Ouais, ouais. Bon, bah, amuse-toi bien avec mes bombinettes. Tu verras, c'est du travail d'orfèvre. Ah, ouais. Les bombes, tu peux les combiner avec ton arc et faire des flèches explosives. Si tu as peur pour tes doigts, c'est le pied. Je t'enverrai une bafouille. Une bafouille pour t'expliquer comment... tout ça en détail. Ça, tu pourras lire à ton aise. Ouais. Bon, les gens, on a dépensé notre argent. Et ça, ça fait du bien. Je l'ai en ami, Nerva. Ah, d'accord. Il y a des notifs quand un friend join le chat. Ah ouais, quand un ami rejoint le chat. Parle français, bordel. Ok, je vois. Merci à Dragon Cookie qui a offert des cookies sur le chat, ça fait plaisir. Joueur 24-24. Oui, bah tu es un PNJ, quoi. Ah, si le monde... S'il y avait des PNJ dans le monde réel qui tiendraient des magasins. Mais ça existe déjà, en fait. Ok, et bah écoutez, je veux bien savoir comment je fais une flèche explosive. Est-ce que je dois... Non, ça va, bon. Faut que je trouve les réflexes à chaque fois. Bombe. Alors, je sais qu'il y a un truc à exploser là-bas, donc on va y retourner vite fait, je m'en souviens. Tu peux même plus te connecter en scred maintenant. Bah, en fait, la fonction ami sur Twitch, je vois pas trop à quoi elle sert. Parce que le jour où Twitch sera un réseau social, on sera vraiment emmerdé. Un ciel. Allez. Allez. Double explosion. Ouais, j'avoue, ça a bugué. Vous avez fait bugger le truc, c'est trop marrant ça. Ça, c'est rigolo. Y'a les poulets. Les poulets. Ah non, je l'ai pas récupéré. Oui. Oui, vol. J'aime trop. Oui, de l'argent, cette fois ça sert. Cette fois ça sert. Cette fois l'argent sert. Pourquoi un ciel? Puisque tu te fais draguer sur Twitch, toi. C'est bizarre d'ailleurs. Les gens savent pas forcément que t'es une fille, mais je sais pas, c'est le pseudo rose et tout. C'est le pseudo qui s'appelle par A et rose, tu vois. C'est obligatoire. Oh, on est derrière la fontaine. Est-ce que Link plonge? Oh là là, c'est beau. Que c'est beau. J'en pleurerai. Oui. Tout ça pourquoi? Ouais, nice. Fragment de cœur, donc ça c'est bien. Ça, je pensais bien que ça allait être ça. Y'a rien d'autre. Oh, putain, what? Attends. Putain, mais j'arrive pas à appuyer sur... Attends, je peux déposer une bombe dans l'eau, mais non. Vite, vite, faut que je monte. Comment je suis censé faire exploser ça? Ça va s'éteindre. Bah oui. The fuck. Comment je suis censé faire exploser ça? J'ai pas l'outil. Ah, c'est pas genre quand il faut là, un moment on va débloquer une grosse masse ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, non? Attendez, mais il y a un truc en bas là, non? Aussi. Attendez, il dit pas tout.
Ah non. What the fuck? Comment je fais? Ça c'est une bonne question ça. Bon. Je pense pas que je puisse le faire maintenant en fait. Mais c'est une bonne question ça. Comment je fais ça? Bon, je pense pas que je puisse le faire maintenant. Je pense que soit c'est un truc qui se débloque, genre une porte qui s'ouvre, soit c'est un truc qui explose, mais du coup. Mais attendez, mais en fait ça me sert à quoi? What? Mais ça me servait à quoi de faire exploser ça si en fait je pouvais y passer comme ça sur la fontaine? Ah non, je pouvais pas monter. Je pouvais pas monter là. Je pouvais pas monter là. Non, ok, vous allez, j'ai compris. Salut, Happy! Bon, du coup, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Bon, bref, on va continuer à avancer. Let's go. Donc, du coup, on a trouvé le dernier enfant. Non, pas le, enfin, c'est pas le dernier enfant, c'est la meuf là, qui est hyper. C'est quoi là? Je vais explorer un peu ce village parce que on l'a pas mal exploré quand il était vide. Mais on a pas vraiment regardé à quoi correspondait chaque salle et tout. Donc, on va rentrer un petit peu. On va regarder un petit peu. Oh, mince! J'ai une nouvelle fonctionnalité à vous montrer sur le chat. J'ai complètement zappé de. Oh non! Faut que je trouve le moyen de vous en parler, mais là c'est un peu relou parce qu'il me faut un lien en fait. J'ai trouvé un truc vachement cool. Vous pouvez aller sur une machine à sous virtuelle et jouer vos bières pour essayer d'en gagner plus. Et genre c'est une machine à sous et en gros ça prend vos bières et ça vous en fait gagner si jamais bah, vous gagnez la machine à sous. C'est vachement cool. Le problème c'est que c'est hébergé sur un site externe pardon. Et il faut que je file l'URL et il faut que je le configure. C'est un truc que je devais faire. Ouais, je passe pas. Hein. Je peux pas passer par dessus. Attendez, je peux pas passer par dessus. Ah, je me disais aussi. Bon, allez, on se dit. Bon, c'est un truc qu'il faut que je mette en place. En fait, j'avais mis en place la semaine dernière et je me suis dit, je vous en parle. J'ai complètement oublié. Après, tu vas rendre les gens accros au jeu d'argent. Bravo. J'avoue que voilà, je suis un peu. C'est pas bien. Monsieur Link, où êtes-vous? Je l'aime trop. Il me fait trop rire. Ah, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. J'ai deux lettres pour vous, monsieur Link. Putain, facteur à Hyrule, c'est quand même pas le meilleur des métiers. Maintenant, moi je repars. A plus. Au pire, à la pause, entre à la fin de cet épisode, j'irai vous chercher le lien pour que vous puissiez jouer. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, mais les lettres, faut peut-être lire. Message urgent. Nous avons en stock un objet que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est un exemplaire unique, alors venez l'acheter avant que quelqu'un d'autre la fasse de flaire la bonne affaire. Quoi réserver aux clients sérieux? La boutique de Cocorico a ouvert ses portes. Flèche explosive. La fabrique de bombes cramées vous remercie de votre visite. Sachez que vous pouvez aussi combiner vos bombes avec un arc pour créer les flèches explosives. Équipez-vous de votre arc, ouvrez l'inventaire avec un, sélectionnez les bombes, puis appuyez sur R. Ok. Par contre, ça m'a intrigué cette histoire de boutique là. Je sais pas si c'est, du coup c'est pas la boutique de monsieur Cramé. Donc c'est qu'il y a une autre boutique. Et je veux bien voir ça. Je veux bien voir ce que c'est que cet objet là. Donc, allons-y, allons voir ça. Ça m'intrigue. Bon, ça va votre journée sinon vous? Je vous ai pas trop posé la question. Comment s'est passée votre journée? Ça va? Ouais, elle était beaucoup trop rapide. C'est là, non? C'est pas là, la boutique. Non, c'est un truc de bébé, what the fuck. Pourquoi il y a des têtes de bébé? C'est bizarre. Galerie. Ah, c'est le bouclier! Ah, mais il n'y a pas de... Hein? Prendre. Oh, merde! Bah voyons. Je crois qu'il va falloir que tu envoies ta concepteur du livre service. Ce bouclier est un article de la boutique et il coûte cher. Si tu le veux, fais briller les rubis. L'ancien propriétaire n'étant plus de ce monde, j'ai décidé de reprendre cette échoppe. Fais une bonne action pour le village, achète quelque chose. Ah, ça coûte 200 rubis.
Il me manque 5 rubis, bordel. Il me manque 5 rubis. Je peux pas devenir un héros, mais j'espère aider les autres par d'héroïques actions commerciales. Bon courage à toi aussi. Quelle enflure! Quelle vieille enflure, ce gosse! Mais c'est un bébé, il tient une boutique, quoi. J'ai une séance d'infos pour l'une. Ça va, j'ai signé un contrat, j'ai fait 2-3 projets en sus. Quoi? Sus. Mais il faut qu'on pète des pots. Il faut retrouver des pots à péter, il faut trouver 5 rubis. Je sais pas comment on fait, on se démerde, mais on trouve 5 rubis. Allez, on se démerde. 5 rubis, les enfants. Coucher 5h30, lever 6h30. Pluie, train court, 3h, pluie, train dodo. Mais, oh, mais Happy, t'as vraiment un rythme de vie complètement bizarre, toi. Tu fais quoi la nuit? Tu dors pas. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'avoir la réponse à ma question, en fait. Les rubis! Give 5 rubis. Ah oui, c'est seulement. Si seulement. Non, mais là, il y a des cailloux et tout. On va bien trouver des trucs. Oh, doucement, machin. Salut Mike, bienvenue Mick. Attends, je peux pas les soulever en fait ces cailloux, c'est bien. Ruby, elle est grippée. Dodo, manger, amener la voiture au garage. Corps, cours. Aller chercher la voiture. Cours dans 20 minutes. Putain, c'est vrai que tu. Oh là là, mais c'est horrible ça. Mon dieu, c'est horrible. Je sais pas comment tu fais, c'est déprimant. Putain, ça me saoule là, 5 rubis là. Bon, on va aller taper du monstre, je sais pas, j'en sais rien. Putain, ça me fait chier, ça me fait des allers-retours là, c'est relou un peu niveau perdre du temps là. Hein? Je pense que tu veux pas savoir ce qu'il fait la nuit. Bah comme d'hab, juste j'arrive pas à dormir, je regarde les vidéos, sinon cette nuit, America fait pire. Ah ouais, ça on en parle pas. On est pas là pour avoir des débats politiques. Ça c'est un truc explosé, non? Non? Ça a bien la gueule d'un truc explosé. Michael Bay. What? Mais. Ok, ça ne servait à rien. Très bien. Vous êtes tous les mobs, j'ai besoin de 5 rubis, bordel. 5 rubis. Allô? Ah d'accord, faut que je les écrase, lol. Putain, ça y va rien ça. C'est relou. Ah! Donne-moi de l'argent! Putain, mais je m'en fous d'avoir des cœurs là, donne-moi de l'argent! Ah, ça a trop me fouler. Je vais aller là-bas à gauche. Là. Donc, impossible, pas d'emplacement. Give un cerveau pour une arme. Quoi? Non, ça va, ça passe en fait. Des fois, ils nous amènent des bonbons. Et tu montes dans une camionnette. Oh, voyons. Mais c'est se détendre, c'est jeune. Chut. Ah. Non, on m'a appris à pas monter dans les camionnettes des messieurs qui donnent des bonbons. Même dans la mienne. Ah, bah ça, je peux m'en occuper. Pas de la camionnette, hein. De l'explosion. Non. Ah, je sais pas si ça va marcher là. Oh, ça passe. Et Poda s'en bat les couilles, frère. Oh, bordel. Mais attends, je suis où là? Ah, je suis retourné. D'accord. Ok, je suis retourné dans la prairie de. Du début. D'accord, ok. D'accord. Bon, bah écoutez, moi je veux juste des rubis, c'est tout. Hein. Donc si on peut Allez. Sérieux quoi, le jeu vidéo là. Aide-moi. Merde. Putain mais c'est insupportable. Franchement j'ai trouvé des millions de rubis. Oui. Oh oui. On va juste refaire le chemin là du coup. Putain oui. Ça y est. Ha. On a trouvé. On est trop fort putain. Oui. Pourquoi la map on dirait un kangourou obèse avec un petit coup? Ah putain faut que je regarde ça. J'ai pas remarqué. On va regarder ça.
Et hop, on arrive au village de Cocorico. Putain, c'est beau ça. Tu vois, tout était prévu en fait. Tout était prévu depuis le début. Je suis un génie. Je suis un génie. Hop, aïe. Oh, bébé flippant. T'as quoi comme bonbon? J'ai des schtroumpfs, des langues de chat, des dents de vampire et plein d'autres. Les schtroumpfs, c'est les meilleurs. Salut! Salut! Achète donc quelque chose! Je veux ça! Ouais! Ouais, ouais, c'est ça, TG, allez, bisous. Ça y est! Scripté. Clairement, oui, là, c'était scripté. Voilà, c'était tout était prévu à l'avance. Pardon? Pourquoi le bouclier il s'affiche pas? Pourquoi mon bouclier s'affiche pas? Ah si, c'est bon. Allez! On peut partir à la guerre maintenant! Yeah! Bon bah je veux bien monter dans ta camionnette alors. Ça c'est le pouvoir des schtroumpfs, ça. Meilleur bonbon du monde. Je me suis pris le... le mur. C'est quoi vos bonbons préférés? Moi je suis pas très bonbon en fait. J'aime bien les schtroumpfs. Je pense que mes bonbons préférés c'est les schtroumpfs. Mais j'ai jamais été très bonbon et chocolat en fait. J'aime bien ça mais... Je sais pas, jamais vraiment... été hyper fan. Les dragibus, ouais, les dragibus, les noirs. Évidemment, les dragibus noirs c'est... Ou là, les roses. Les dragibus roses c'est les meilleurs. Un kangourou obèse. Ah oui, effectivement, oui. Ou un lama plutôt. Un lama obèse. Moi je vois un lama obèse en fait. Ça a plus la gueule d'un lama obèse. Allez gros, je vous défonce. Viens là. Viens là. Allez, viens là. Ouais, voilà. Langue de chat, ça me dit rien. Ça me dit rien et tout. Enfin si, je crois que je sais, mais je suis pas sûr. Ah ouais, non, j'aime pas trop. C'est... Enfin... Ça... Ouais, c'est... Non, j'aime pas trop. La mastigro. Non, mais c'est vrai, on dirait à la mort, ouais. Noir. Les roses, elle est noire. Est-ce que je peux directement balancer... Oh oui! Pas besoin de descendre du poney. Oh putain, oh putain. Poney, recule. Ok, ça va. J'ai fait les... Tu sais, les cool guys, donc Luca explosion. Ok, super. Cool guy dans local explosion. Par contre là je vais me la prendre dans la gueule. Bon, on va faire la vieille technique, hein, ça marche beaucoup mieux parce que moi voilà, je suis vraiment pas précis. Oula oula oula, non Link, non. Non mais Link, bordel, fais pas le con. Le truc plat de couleur qui pique, on dirait du... Oh ça pique pas, arrête. Non, ils ont effacé le pont. Allez, il faut qu'ils arrêtent avec ça hein. De TP des parties de pont comme ça. Hein. C'est insupportable quoi. Les mecs, ça crée des portaux. Et ça permet de TP des ordres, des monuments. Des monuments. Mais par contre, je vais pas y aller. Enfin, c'est quoi l'intérêt d'avoir fait ça? Parce que c'est passé en fait, je suis déjà passé dessus. Je vais pas y retourner. Dis-il en y retournant. Bonjour. Mais putain, Link, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais Link, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis censé quoi? Je suis censé les tuer ou... C'était le combat le plus nul que j'ai jamais fait. Voilà. Et il va remettre le pont ou... J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça, à quoi ça servait. Ah, ça a fait un portail pour que je puisse me TP ici après avec Midona, non? Je crois que c'est ça. Ok, je comprends. Ok, je pense que c'est ça. Okay. Moi, mon bon préféré, ouais, c'est Schtroumpf, je pense. Et votre chocolat préféré? Ça sera plus dur à trouver ça, le chocolat préféré. Genre, beaucoup de gens aiment les chocobons et tout. Moi, je sais pas. Si, les Kinder Bueno. Moi aussi c'est ça Kinder Bueno. Enfin pour moi c'est pas vraiment du chocolat chocolat tu vois mais
C'est vraiment le truc que je préfère. Wouh, l'esquive. Kinder Bueno White. Ah, je vais leur passer de l'autre côté du miroir. Doucement, vidéo, doucement. Doucement, machin. Epona. Toblerone. Ah bah, puis justement. Mon père m'a ramené un Toblerone, ma gueule. Chocolat. Ah, Marjo va le chercher. Trop bien, je vais pouvoir manger. Ah, bon. Mon cochon, tu vas pas être déçu. Ah, enfin, nous dit voilà. De quoi? Dans le frigo. Bah oui, parce que sinon il fait trop chaud dans l'appart. Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver. Ce qui veut dire que nous sommes prêts d'entrer dans la dernière région du crépuscule. Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière. Tout va dépendre de tes efforts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Jambon, c'est bon. Regarde! Toblerone. C'est quoi? Crispy coconuts. Bordel, ce que c'est bon. Non, j'avoue, je regarde. Je veux goûter. Ah, t'en veux? Je croyais que t'aimais pas ça. Bah, je crois aussi. Bah, tu verras qu'en fait, c'est vachement bon. Il y a du nougat. Ouais, mais très peu dans celui-là, en fait. Ah, bah, ça va. Donc, ça va. Allez. Je crois que c'est... Ouais, je l'ai mis au frigo. On met pas le chocolat au frigo? Non. Et toi, tu fais quoi? Tu mets le chocolat au frigo à chaque fois? Qu'est-ce que tu racontes? On met pas le chocolat au frigo, c'est comme si tu mets des unités là-dessus. Mais tu mets le chocolat au frigo, hein. Mais si. Non. Elle le met en plus. C'est un ancien avec l'ancienne forme. Je sais pas, c'est normal. Alors je te fais entrer dans le crépuscule. Oui. Et de la noix de coco dedans. Oui. C'est trop bon. Ah, le stream peut pas encore tout faire. Hein. Je peux pas encore vous faire goûter des trucs en direct, live et tout. Bon, je vais t'aider, mais bien parce que c'est toi. C'est la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde. Ou peut-être pas, qui sait. C'est tout. Coconut addict. Trop mignon. Bon, des gens de YouTube. Le mec il arrête comme ça. On se fait des bisous. On se dit à plus tard. À la suite. On n'a rien fait. Voilà. Chou. Moi j'ai fini de manger et puis voilà. Attendez. Bah, c'est quoi ce lag là? Bisous à YouTube. Ciao.